La mère de Gorki, Mati Gorkov, Kanyets Ramana. C'est la fin du roman. On la poussait dans le cou, dans le dos, on la frappait aux épaules, à la tête. Tout se mit à vaciller, à rouler dans un sombre tourbillon de cris, de hurlements, de coups de sifflet. La sensation de quelque chose d'épais et d'assourdissant pénétra dans ses oreilles, lui emplit la gorge, l'étouffa. Le sol se déroba sous ses pieds, s'effondra, ses genoux fléchirent. Son corps frémit sous les brûlures de la douleur, s'alourdit, chancela, sans force. Mais ses yeux brillaient toujours, voyaient une multitude d'autres yeux qui brûlaient d'un feu hardi, vif, qu'elle connaissait bien, d'un feu cher à son cœur. On la poussa dans la porte, elle arracha une main à l'étreinte, s'agrippa à un montant. On n'éteindra pas la vérité sous des mers de sang. On la frappa à la main. Vous n'amasserez que de la haine, fou que vous êtes, et elle retombera sur vous. Un gendarme la saisit à la gorge, la serra. Elle râla. Les malheureux, quelqu'un répondit par un sanglot. Fin du roman. Kanyets Ramana.